Bonjour, ici Martine. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vous présente quelque chose d'un peu nouveau. C'est une partie de mon rituel que j'ai intégré dans ma routine quotidienne depuis déjà plusieurs années. L'avantage de faire des exercices physiques, c'est que ça vient en fait mettre le corps dans le mouvement, puis ça aide à rester à passer à l'action dans le quotidien. Alors, moi, je l'ai intégré le matin parce que c'est un exercice qui se veut aussi énergétique, donc énergisant par la même occasion. Vous savez, tout est interrelié. Alors, c'est interrelié dans votre corps au niveau physique, vient toucher l'émotionnel, le psychologique et l'énergétique. Fait qu'aujourd'hui, on travaille le physique, puis ça va avoir un effet sur tous ces aspects-là de vous-même. Alors, la rotation du bassin aujourd'hui, comment ça se passe? Bien, simplement, vous vous positionnez avec les pieds déposés au sol solidement, avec le poids un petit peu plus sur la pointe des pieds que sur les talons. Les mains sur les hanches. Vous inspirez, vous respirez profondément quelques fois. Vous allez faire 5 à 10 rotations de votre bassin vers la droite en gardant les épaules détendues, le ventre relâché, les muscles pelviens détendus aussi. Vous voyez que le haut du corps ne bouge pas beaucoup. Vraiment, le mouvement est au niveau du bassin, des hanches. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de faire un 8. Faites dans un sens, vous faites un 8 en gardant les genoux fléchis un peu. Vous faites un 8 d'un côté. Vous regardez, vous observez s'il y a des tensions dans votre corps. Changez de côté. Donc, est-ce qu'il y a des tensions dans une certaine partie de votre corps? Et est-ce que votre bassin bouge bien? Ça vous amène une occasion de porter attention si vous avez des temps, justement, j'ai le mot, si vous avez des tensions au niveau du bassin, parce que c'est directement interrelié avec l'énergie sexuelle. Donc, si vous avez des problèmes au niveau du bassin, peut-être que vous avez aussi des problèmes puis des tensions, des blocages au niveau de la sexualité. C'est un indice. Si vous êtes très flexible du bassin, c'est pas une preuve non plus qu'il n'y a aucune tension, aucun blocage au niveau de la sexualité, par contre. Alors, les avantages de bouger, de faire des exercices physiques à chaque jour, ben, c'est que ça vous met dans le mouvement, ça améliore votre résilience, donc votre capacité à accueillir ce qui est nouveau dans la vie. Parce que la vie est remplie de mouvements, est remplie de changements. Et aussi, donc, de faire bouger le corps, ça vient énergiser. Vous voulez que l'énergie circule bien pour être optimale dans vos journées. Puis vous sentir bien physiquement, ça vient participer à votre bien-être global dans la création de votre bonheur. Alors, si vous avez aimé cet exercice, cette capsule, vous invite à me laisser vos commentaires. Expérimentez! Mettez-le dans votre agenda et faites-le de façon régulière. Donnez-moi des nouvelles quand ça fera quelques jours que vous le pratiquez. Alors, bonne pratique!